Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 10 mars 2024. Il est 17h et j'ouvre la 10e visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est les Arcturiens, premiers constructeurs des pyramides d'Égypte et à quoi servaient les pyramides. Les Arcturiens d'Iasolian Tiplex sont originaires de la planète Pitoya dans la constellation du Bouvier. Ils sont impliqués dans les affaires terrestres depuis le début des temps. Amis des Andromédiens depuis des millénaires, leur mission est de promouvoir la croissance des humains terriens en tant que civilisation et en tant que société, promouvoir la maturité spirituelle et l'idée d'autoresponsabilité à la fois. Ce sont eux les premiers qui ont commencé à bâtir les pyramides d'Égypte. Ces pyramides ne sont pas d'origine humaine. Elles n'ont pas été construites par les Égyptiens ni par les populations indigènes de cette époque qui ne possédaient pas les technologies nécessaires pour le faire. L'origine des pyramides est antérieure à la culture égyptienne. Ce sont des constructions à 100% extraterrestres. Pour le comprendre, il suffit de réaliser qu'elles n'ont pas été construites pour être vues du sol, mais depuis l'espace, et peu de gens semblent savoir qu'elles pointent vers Alpha Draconis, une étoile binaire nommée Tubane, dans la constellation du Dragon, mais aussi vers les Pléiades et vers Sirius. Ces structures pyramidales sont très répandues dans de nombreux mondes extraterrestres de la Fédération galactique et il y en a sur de nombreuses autres planètes, comme par exemple sur Mars. Elles ont été construites par un conglomérat de races extraterrestres alliées de la Fédération galactique dans plusieurs buts. Elles servaient de masse pour stabiliser la rotation de la Terre, un peu comme un garagiste place des masses sur la jante d'une roue pour l'équilibrer. Les pyramides facilitaient aussi la naturalisation et la manipulation des fréquences artificielles lunaires en permettant une plage de manipulation de fréquences en conjonction avec d'autres pyramides de la planète. Ce sont aussi des portails physiques utilisés pour la téléportation d'une base sur Terre à une base de fréquence équivalente sur une autre planète ou sur un vaisseau spatial, et enfin des portails d'élargissement de la conscience pour le voyage astral. Les pyramides de Gizeh ont été construites avant le déluge, dont l'eau provenait de la planète Tiamat qui s'était désintégrée et dont le volume d'eau l'avait déstabilisée, alors que la matrice terrestre était en cours d'installation depuis la Lune. Les pyramides ont été construites selon les besoins et les configurations géophysiques et placées sur des lignes telluriques à des endroits spécifiques tout autour de la Terre. Il y en a partout et elles sont reliées entre elles pour créer un réseau planétaire, un peu comme un ancien réseau satellitaire mondial. Il y en a en Chine, en Russie, en Amérique du Nord et du Sud.